C'est bon. Et... Oh, non, c'est pas bon. C'est pas bon, faut que je renomme le jeu, toujours. Hop, impeccable. Allez, on reprend la suite de Last Light. Alors, on va avoir deux pages à récupérer déjà. Donc, il va falloir que j'ouvre l'œil. Allez, on est parti. C'est dangereux ici. Pas comme avant. Je le sens. Mais je serai avec toi. Je te dirai quoi faire. Ah bah tiens, déjà, en voilà une déjà. Hop. Alors. C'est comment la place rouge? J'ai hâte de la découvrir. Avant, les gens disaient que c'était le cœur de notre pays natal. Je n'y suis jamais allé et je n'ai jamais vu cette... Je n'ai vu cette place que sur de vieilles cartes postales. Ça doit être la vue la plus populaire de Moscou, la cathédrale Saint-Basile, le Kremlin. Tous les touristes étrangers visitaient cet endroit en premier. Ils n'ont pas bombardé le Kremlin pendant la guerre. Au lieu de ça, ils l'ont frappé avec quelque chose. Une chose qui a épargné tous les immeubles, mais a dévoré tous les êtres organiques dans un rayon de quelques kilomètres. Quelque chose d'expérimental. Ouais, on va pas trop traîner parce qu'il ne reste pas beaucoup d'oxygène. Tu le sens aussi. C'est plus facile de me comprendre. Est-ce que c'est le centre? Tous les chemins mènent ici. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas partir. Ah, ça c'est le sniper, d'accord. Ok. Je regardais un peu ce que j'avais comme arme, je m'en rappelais plus. Depuis la semaine dernière, j'ai déjà oublié. Là on peut pas y aller, là non plus. Ils sont ici depuis trop longtemps. Ils sont nombreux. Et ils savent. Ils savent ce qu'on ressent. On peut pas passer? Non. Eh ben tant pis. C'est chelou. Il y a plein de trucs où on est au maximum. Malheureusement, on ne pourra pas les prendre. C'est juste histoire de récupérer quelques filtres pour le masque. C'est bon.
Attends, le carnet il est pas là au moins. On dirait que non. Je veux juste trouver le carnet, savoir où il est. Je voulais pas les attaquer, mais là, ils m'ont pas laissé le choix là. C'est vrai que je traîne à essayer de trouver ce carnet et ouais, je me rends compte que je crois qu'en fait je les ai tués pour rien. Bah c'est fait maintenant. Je regrette l'avoir fait, mais bon, tant pis. On peut pas revenir en arrière. Enfin, si on pourrait, mais. Je vais pas recharger un point de contrôle juste parce que j'ai tué 2-3 bestioles. Ce serait complètement idiot. Non, le carnet a pas l'air d'être là, mais ça se trouve. Putain, à tous les coups je l'ai loupé. Ne reste pas là. Je vais aider. Ne les dérange pas, Arthur. Reste près de moi. Ils sont là depuis si longtemps. Ils sont nombreux, mais tous très seuls. Ils ont peur et mal. Ils ne peuvent pas partir. Ils veulent qu'on reste avec eux. J'ai été trop long, je pense. Ah, je vais aider. Ne les dérange pas, Arthur. Reste près de moi. Ah bah, je disais qu'il n'y avait aucune interaction avec, avec la mort, mais en fait, si, j'avais oublié ils ce passage. Depuis si longtemps. Ils sont nombreux, mais tous très seuls. Ils ont peur et mal. Ils ne peuvent pas partir. Ils veulent qu'on reste avec eux. Je crois que c'est pas la même arme. Non, c'est pas du tout la même. Pas par là. Attends. Bah si, normalement c'est par là qu'il faut descendre. Ah, il faut peut-être juste tomber comme ça. Ouais, c'est un peu con, mais bon.
ça sert à rien. La lumière reste... Le témoin il reste plus lumineux. Donc on me voit. Même si je coupe la lumière, ça change rien. Il me reste combien de temps? Encore un peu. Attends. Bon, ça va, c'est pas par là, donc ça va. Ouvrir les portes là. Là ça a l'air de monter. Non. Je pensais que j'aurais eu le temps, mais non. Eh, mais y'a rien ici en fait. Ah, si, il est là le carnet. Putain, j'ai pas fait gaffe. Alors. Pendant des années, personne n'a osé approcher de la place rouge. Ils disaient que quelque chose était tapis dans les sous-sols du Kremlin et attirait les êtres vivants pour les dévorer. Et puis, l'ordre a nettoyé le Kremlin par le feu. Il est vide maintenant et noir de suie. Tout comme le reste de la ville. La place rouge. Le cœur du pays qui a cessé de battre depuis longtemps. C'est bizarre, j'avais cru entendre un fantôme tout à l'heure. Je l'ai peut-être raté. Eh, attends, peut-être que le fait qu'il soit passé, le monstre, peut-être que ça... Je sais pas, peut-être qu'il est passé par là, que ça a ouvert un truc, j'en sais rien. Non, ça n'a rien ouvert. Bon, ok. Ouais, maintenant que je fais avec le casque, maintenant, j'ai peur de louper des détails. Parce que je sais que j'en ai loupé déjà, donc... J'ai pas envie d'en relouper, cette fois. Juste à côté de moi. Bon, on va essayer de pas perdre de temps. Parce que là, 5 minutes, c'est rien du tout. Hein. Je vais regarder où c'est qu'elle en est, la batterie là, niveau autonomie. Bon, ça va, on est presque à fond. Artyom, il y a des gens mauvais. Beaucoup. Très rouges. Hein? C'était quoi? On peut pas l'éteindre ça? Non, on peut pas. Ah, encore un. Pose ton arme sur le sol et mets les mains derrière la tête. Mais je rêve, c'est Artyom. Eh ben, il fallait bien que ta chance te lâche un jour. Tu peux ignorer l'ordre concernant l'arme. Ne reste pas là. Je vais aider. Il est pas mort? Assez. Fatigué. À l'attaque! Éliminez-le! Suivez les ordres!
marche jusqu'à Napin qui est en train de... Je vais t'aider à voir. Ah si, y'en a. Y'en a qui sont sur le terrain. Hop. Ah, il m'en reste deux là. Alors on va faire économie sur économie là. J'arrive pas à le viser d'aussi loin. C'est qui me touche là. Et il fallait que tu t'échappes et que tu te ramènes ici. Tu devrais utiliser ta tête de fois. Tu t'as de putain, mais pourquoi ça le touche pas? Allez, mais cours, putain! Tiens, un cadeau. T'as pas voulu nous rejoindre. Alors... Ah, qu'est-ce qu'il attend? Putain, mais ce connard aussi là, il serait pas aussi lent aussi là. Putain. Bonjour nos camarades. D'accord, putain, mais t'es vraiment une brêle mon pauvre Artyom. Hein. À l'attaque, bonjour nos camarades. D'accord, y'a quelqu'un qui me touche là. Putain, mais c'est qui me touche, bordel? Ça y est, là, ça me gonfle. Là, y'a un connard qui me touche là. Putain, je vais te faire passer l'envie de me toucher, enfoiré là. Oh putain, ça l'a pas lancé assez haut. Putain, mais mon pauvre Artyom, putain, mais. Putain, mais. C'est bon, il est pas en train de me viser l'autre con là, non? Tant mieux. Alors, t'as décidé de te montrer? Bah, allez, on fouille tout le monde là. Allez, Ranger, tu es inutile, comme tu essaies de le faire. À moins que tu aies la frousse. D'accord. Là, ils ont pas de masque, mais on dirait qu'ils respiraient quand même. Logique. C'est plus dur que de cramer des mutants sur les fonces. Non, on dirait qu'on peut pas récupérer. Putain, mais y'en a pas un qui a le moindre truc de. Pour se soigner là. Putain, c'est dingue ça. Ah, voilà. J'en ai un, c'est déjà ça. Je vais le garder en cas d'urgence, hein, du coup. Thank you.
Tu serais déjà mort, connard. Qu'est-ce qui te prend? Tu lâches la créature sur moi? Tu parles d'un héros. Le test d'Octiabreskaya a été un succès. Le virus tue vite et meurt vite ensuite. Si on peut s'en procurer assez, on pourra nettoyer tout le métro. Cependant, on doit d'abord s'emparer de D6. Camarade Morozov, nous n'avons qu'une chance d'y parvenir. L'Ordre compte de bons combattants, mais ils sont trop peu nombreux pour couvrir tous les points d'entrée. Nos éclaireurs ont localisé une entrée mal gardée par le Kremlin. Tant que Melnik sera à la conférence pour la paix à Polis, il ne pourra pas diriger ses hommes. C'est à ce moment-là qu'on frappera. Oui. Encore une semaine, et nous serons à l'aube d'une ère nouvelle. Artyom ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Artyom ! Décide. Tu pars ? Tu aides ? Décide. On peut pas rester. Les livres, c'est bon, les carnets, c'est bon. C'était pas par là, au moins. Il était temps, hein. J'ai plus d'air. Nous sommes arrivés à Polis à temps pour la conférence pour la paix. Il n'y aura pas de paix. Juste la guerre. La dernière guerre. Maintenant, je connais les réponses à toutes les questions. La tête de Pavel a été une mine d'informations pour connaître les plans de Corbut. Alors, là, combien de pages à récupérer? 2. Ok. Il faut que je trouve rapidement des filtres. Très rapidement. C'est très étrange ici. Attends. Ah.
C'est pas un peu fort? Je trouve que c'est un peu fort le son. Il faut que je voie. Ouais, pas trop fort. Putain, 2 minutes il me reste. Là c'est la merde. Là c'est la merde. Là faut que je trouve. Faut que je fouille partout là. Si je peux trouver des filtres par-ci par-là. Va falloir s'y coller là. J'ai l'impression qu'il y a des cadavres partout alors qu'en fait c'est juste des racines ou des rochers. Et en plus j'ai plus de medipack. Ça c'est fait. Il faut vite que je trouve des filtres là, parce que là c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. Hein, les mamènes, comment tu vas? Là, ça faisait un petit moment déjà. Je sais plus quand est-ce que t'étais venu la dernière fois. Et puis ouais, j'espère que ça va quand même parce que bon. Moi je sais que t'étais occupé, de toute façon. Ça je me rappelais que t'étais occupé. 4 minutes 25 de filtre. Ça va être juste. Hein. En plus, il y a une clé à trouver. Ok. Super. Elle a mis un autre coffre-fort. Oh, mais l'autre, il doit être ouvert déjà avant. Ah, ouais, il est déjà ouvert. Où elle est la clé là? Est-ce que j'ai envie de perdre du temps? Pas tellement. À moins qu'elle soit sur sa main. Non. Ah oui, oh, ok. Ah oh, bah ça se comprend. Hein. Bon, du moment que ça va, c'est le plus important. Wow. Ça l'a même pas tué. La vache. Putain, c'est quoi ce sac à PV, le machin, quoi. Putain, le truc, c'est limite un fusil anti-char que j'ai, quand même. Et lui, c'est comme si, je le touchais avec un fusil airsoft, quoi. Ah, ben là, voilà la clé. Bon, on va retourner vite fait en arrière. Avec un peu de chance, on va trouver des filtres. Ouais, ça va, ça va. Il y a toujours autant de neige. Parce que là, je sais plus. Merde, j'aurais pas dû tomber là. Je sais plus où c'est qu'ils avaient parlé là, qu'il y avait une grosse chute de neige là. C'est bien tombé la neige, je sais plus où. Je crois que c'était dans le Cantal, je crois. Je sais plus. Mais merde, je crois que c'était là la route. Je sens que je vais faire avaler tout cru. Voilà. Bon, ben c'est fait.
où je réapparais. Alors, est-ce que j'ai la clé? À mon avis, si j'ai pas fouillé lui, non, je dois pas l'avoir. Un petit peu de neige, pourquoi pas, mais pas trop non plus, parce qu'après c'est pour circuler, après c'est la merde. Quasiment rien, mais bon, c'est mieux que rien. Juste une minute de plus, je crois qu'on a gagné. Putain, j'imagine même pas en rendre difficile comment ça doit être casse-couille. Sans l'interface et tout ça. Sans les indications pour interagir avec les objets, tout ça là. Comment ça doit pas être la merde. Là ça me plaît pas trop là. Hop, encore quelques filtres. J'ai combien de... ouais non, je vais pas les gaspiller alors, les medipacks. Rester longtemps, t'as pas mal de choses à faire. Commence. Ah, sur le live. Genre tu fais genre comme si je sais pas, comme si ça m'emmerdait, alors pas du tout. Oh, il y a une grosse bestiole là. Je sais pas où c'est là, mais il y a une grosse bestiole. Ah, d'accord, ah, j'avais pas compris. Ah, bah, pas de soucis, écoute. Fais ce que t'as à faire, les mamènes. Hein. Elle est cruciale, pardon, je t'avais pas vu. Ouais, genre, c'est une mauvaise action ce que j'ai fait. Enfin, là, j'essaie juste de survivre là. Alors, la nature, je l'emmerde. Comme dirait le comte Roche-Saint-Pierre de l'histoire de France. La nature, je l'emmerde. Comment ça va, Cruciole? Ouais, la vulgarité. Ouais, je suis un peu en forme là, ce soir là. J'avoue que je suis un peu vulgaire là. C'est pas gentil d'être vulgaire, c'est pas bien. Ouais, fatigué, ouais. Ouais, c'est... après, peut-être que c'est la journée que t'as fait, je sais pas, mais c'est le temps. Déjà, putain. Je vais le défoncer lui, je vais le trouver, je vais le défoncer là. Ça y est là. Ah, mais le temps aujourd'hui là, c'est pas la peine. Putain, ça a été une journée de merde. Ah, il fallait peut-être rester planqué. Calme-toi, ouais.
J'ai dû mettre Apex. Ça aurait été drôle là. Ouh. Les pauvres mecs là. Ah, ils auraient pris, je pense. C'est quoi qui est venu m'emmerder du coup? Y'a un truc qui m'a attaqué là tout à l'heure? J'ai rien vu, c'est ça le pire. Je n'ai rien vu. Oh putain, merde. Hop. Alors c'est quoi qui m'a attaqué là? J'ai l'impression que c'est quand j'ai pris le truc là. Hop, on m'a sauté dessus là. Ah, c'est eux. D'accord. Ah ben eux au moins ils cherchent pas la baston. C'est déjà ça. Ouais. En compagnie de Crux. Il y aurait matière à rigoler, je pense. Ah, tu y vas? Bon ben, bonne soirée les mômes. Merci d'être passé. À la prochaine. Oh, il y en a d'autres. Putain, là, il y aurait moyen de se faire un beau costume en fourrure. Ouais, à mon avis, les carnets, là, je vais sûrement passer à côté. En même temps, vu ce qu'il me reste de filtre, je vais essayer de pas trop traîner quand même. Ah, les filtres là avec le. Les pages du carnet avec le. Les lunettes infrarouges, c'est la galère pour les trouver. Les lunettes infrarouges c'est bien, mais quand il y a des trucs à ramasser en général on les voit pas très bien. Bon, ils ont pas l'air de vouloir se bagarrer. C'est un Yaogwai. Un Yaogwai sous OGM. Putain, je l'avais oublié le bestiau là. Putain, si on pouvait l'avoir en monture. Moi je monte dessus. Hein. C'est mieux qu'un cheval. Hein. Ouh, ça te déblaye un chemin ça. Ouh, la zone pas du tout vaste. Ouh là 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 là, ça sent pas la baston du tout là. Oh, en plus on est à moitié, on est ralenti un peu. Elle protège ses enfants. Attention. Oh bordel. Ça sent pas bon. Oh bordel. Tiens, goûte-moi ça. Il te plaît mon fusil? Ouais, il est puissant ce fusil, mais par contre, ouais, c'est vraiment...
C'est pour recharger, c'est un peu galère. T'aimes ça, la met rapidement à terre quand même, hein. Oui, oh là 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 là. Oh là, mes cours, oh putain, mais qu'est-ce que t'as là? Eh mais ça va là? Qu'est-ce que t'as? T'as les bottes remplies de flotte ou quoi là? Oh, pas content. Qu'elle a eu son compte pour l'instant. Je regarde un peu vite fait s'il n'y a pas des cadavres dans le coin. Ouais, parce que là, il n'y a pas de. Là, il y en avait un, mais. Il donne pas de medipack. C'est bizarre. Bon, logiquement, j'en aurais laissé quand même. À moins qu'il y ait un autre cadavre. Parce que là j'ai plus de medipack là. Donc là c'est un peu la merde. Ah il y en a deux là, nickel. Semblait, ouais, c'était pas si petit qu'il y avait sur elle. C'est bon, elle est partie. Ouais, il reste pas grand chose dans le filtre là. Ah, la surface c'est. C'est casse-couille la surface quand même. Artyom, par ici. Putain, et pourquoi ça m'a remis du début? Non mais c'est dingue ça. Je pense que j'ai dû en louper un. J'ai dû louper la première page. Je pense que ça doit être la page 2 ça. Ah non. Putain, mais c'est le grand chelem là. D'habitude, je galère toujours pour les trouver ces carnets là. Depuis le début là. Là, je les trouve tous. Oh la vache. Maintenant, je sais tout. Tout est enfin clair. Ce que j'ai vu n'était qu'une préparation. Le vrai coup sera donné au tout dernier moment, quand personne ne s'y attendra. Corbut a clams... Ah non, clamsé. Non, acclamé. Il n'est pas mort. Acclamsé. N'importe quoi. Corbut a clamé qu'il allait s'emparer de tout le métro sans verser une goutte de sang. Il pourrait y parvenir. Le dernier sang qu'il faudrait verser serait celui des combattants de l'ordre qui protègent D6. Les rouges vont les attaquer par surprise au moment précis où Moskvin signera le traité de paix avec Melnik et les autres. J'aimerais bien faire clamser moi le Corbut. Dieu merci, t'es vivant. Et tu as amené un ami? Attends. Mais c'est... Artyom, cet enfant devrait pas être là sans masque à gaz. Mais bon sang. Ah, c'est donc ça, voilà. Un enfant de la surface. Un sombre. Non, ne le tuez pas, Melnik. Alors éloignez-le de moi. Pas de masque. J'aurais dû me douter. Celui-ci est vert, mais celui-là est jaune. Dis-lui qu'il ne craint rien. On dirait qu'il s'adapte bien. Ouais, ça va l'aider à vivre. Je peux... lui parler, Artyom? Colonel Melnik, n'ayez aucune crainte. Cet enfant est le futur. Il suffit de lui prendre la main. Mes mains sont déjà pleines. Je doute que cette créature nous aide. Mais vous deux, partez sans moi, avant que je change d'avis, et que je l'élimine.
Comment c'est... Oh, j'arrive à entendre ce qu'ils pensent. Et toi aussi, Artyom. Tu peux entendre les pensées des gens rien qu'en les touchant. Avec Artyom, c'est différent. On peut parler à distance. Il a été... adopté il y a longtemps. Tu comprends, Artyom? Les sombres t'ont changé afin qu'ils puissent nous comprendre. Y a quoi derrière la porte? T'as entendu? Ils t'appellent. Je les entends. Ouvre vite! Mais... on dirait une des portes scellées de D6. Oui, AVDNKH. Son verrou est gros. Mais il faut le casser. Y a quoi derrière? Mon peuple. Ils sont dedans. Ils dorment. Ok, Crucial, pas de soucis. C'est pas vrai. À tout à l'heure. Ils hibernent. Il est pas tout seul. Je dois les réveiller. Il est temps pour eux de vivre. On va tous entrer là-dedans. On va ouvrir la porte si on peut. Il y a... la mort. Tout près. Tout autour. Mais je dois les réveiller ou je serai seul à jamais. Bon, écoute. Aide-nous et on t'aidera. D'accord. Attends, il est passé. Hein, il est là. Que faut-il faire? Je dois les réveiller. On va devoir improviser. Hé, hey, réveillez-vous. Colonel, vous pouvez ouvrir la porte au bout de la ligne des jardins à D6? Vous avez le code? J'ai tous les codes de D6, mais je te promets rien. Il faudra bien. Il va nous aider à police si vous le faites. Emmenez-le alors, et tenez-moi au courant. Si je suis sûr qu'il nous aidera, j'ouvrirai la porte. Suivez-moi. Ah. Il n'est pas seul. Ce n'est pas le dernier. Je comprends son excitation et son désir de voir les autres plus vite. De les libérer et de les réveiller. Mais il a accepté d'attendre encore un peu. Il va d'abord essayer de nous aider. Si on parvient à la conférence, le sombre pourra ouvrir les pensées de Mosgvin, de Corbuk lui-même. Et peut-être leur faire arrêter cette folie. C'est notre dernière chance. Ah ben moi qui disais que j'en avais pas loupé. Ah ben là si. Où est-ce qu'il est ce carnet? Je vois pas très bien. Oh putain, d'accord. Ouais, donc je me suis bien trompé. Ça, c'est pas la note 1 que j'ai récupérée. C'est la note 2. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis à note 2, mais c'est pas la première note en tout cas. Ça, c'est clair. Bon, tant pis, c'est pas grave. Artyom, Khan nous avait déjà dit pour Okabroskaya. Et on en a parlé avec Mosgvin. Il a même pas essayé de nier. Il a dit que le... Marc, attends. J'avais dit que je ferais le jeu en récupérant toutes les pages de carnet. Alors je le ferai, et puis c'est tout. Nous sommes arrivés à police à temps pour la conférence pour la paix. Il n'y aura pas de paix. D'accord, Yamar, il dit, nous sommes arrivés à police. Non, on n'y est pas encore, on doit y aller. Putain, mais là, il pourrait faire un effort quand même. C'est très étrange ici. Attends. Ah.
Il faut que je voie. Ouais, non, là par contre j'ai regardé sur internet. Je sais que c'est pas bien, mais là c'est pour les collectibles. C'est vraiment exceptionnel. C'est pas pour finir le jeu, c'est juste pour récupérer des objets que je pourrais avoir oubliés. On s'en fout, on n'est pas obligé de tout ramasser non plus là parce que de toute façon je quitte aussitôt après. C'est juste histoire d'avoir les pages et puis voilà. J'ai pas de medipack, ah, ça va être rigolo. Voilà. Ça bouge là-bas. On les laisse passer. On s'en préoccupe pas. Il serait juste après le carnet. Putain, c'est d'autres ours, j'avais pas vu en fait. Je croyais que c'était des hurleurs ou des nosalis. Là, je sais pas trop quoi là. Oh putain, ouais, il était là. Oh là là, je suis vraiment nul. Et puis Corbut aurait une arme capable d'éliminer l'humanité entière si ça n'avait pas été fait. Si ça n'avait pas déjà été fait. Toutes les stations seront remplies de cadavres et la ligne rouge régnera sur le métro. Si elle parvient à contenir le virus, après tout, il pourrait muter aussi.
Je n'ai plus une minute à perdre. Je dois arriver à temps pour cette conférence pour la paix. Voilà. Bon, au moins, cette fois, on a les pages. Maintenant, chut, hop là. Voilà, j'ai fait un peu n'importe quoi. Il n'est pas seul. Ce n'est pas le dernier. Je comprends son excitation et son désir de voir les autres plus vite. De les libérer et de les réveiller. Mais il a accepté d'attendre encore un peu. Il va d'abord essayer de nous aider. Si on parvient à la conférence, le sombre pourra ouvrir les pensées de Mosgvin ou de Korvukine. Artyom, Khan nous avait déjà dit pour Okabroskaya. Et on en a parlé avec Mosgvin. Il a même pas essayé de nier. Il a dit que leur escouade de défense chimique s'entraînait dans les environs et que malgré les sacrifices, l'escouade avait réussi à contenir l'épidémie. Sinon, elle se serait répandue dans tout le monde. Alors, faites voir, y a une page à trouver. Est-ce que je peux répondre à ça? Moi aussi, je peux réagir de la même façon. Mais, colonel, c'était Lesnitsky, leur agent, qui avait volé le conteneur du virus dans D6, juste avant l'épidémie. Fermez la porte. Et alors, y a aucun témoin en vie à part Artyom. Qui croirait l'ordre? Nous avons D6 maintenant. Si c'était nous qui avions répandu le virus. Mais les Rouges ont tenté d'entrer sur le territoire de Hansa. Mosgvin aurait pu être. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas une armée, on a moins d'une centaine d'hommes. Oui, Mosgvin s'est préparé à la guerre. Mais après que Police ait suggéré de partager le contenu de D6, il pourrait accepter la paix. Et on doit tout faire pour que ce traité soit signé. Mosgvin! Quelle différence il peut faire? Ce n'est qu'un pantin de Korbut. Et pendant qu'il parle, les forces de Korbut vous encerclent. Vous scellerez le traité de paix avec votre sang. Et quoi? Vous avez une meilleure idée? Vous avez amené ce singe ici. Et maintenant, c'est fini ces histoires. On va à la chambre du conseil. Suivez-moi. Demande de rapport, colonel. Refusé. Envoi urgent au commandant de la force de sécurité de D6. Ah, la page est là-bas. Alerte maximum. Dites à Korneyev de poursuivre avec... Bon, il sait ce qu'il a à faire. Et hop là. Alors, j'ai demandé à l'enfant comment il a survécu. Comment il a survécu au brasier. Maintenant, je sais. Quand les missiles pleuvaient sur la ville des sombres, il ne s'y trouvait pas. Les sombres. On s'est souvent demandé comment une nouvelle forme de vie sensible avait pu émerger si rapidement. Pourquoi nous a-t-il fallu des millions d'années d'évolution alors qu'il n'a suffi aux sombres que quelques années? La réponse était simple. C'était nous, les hommes, qui les avions fait naître. Ils sont apparus au milieu de nous. Sukhoi, mon beau-père, avait raison. Ils sont la prochaine phase de notre évolution. Ils nous succèdent. Nous étions leurs pères et ils étaient nos enfants. On avait créé des tas d'armes avec lesquelles nous détruire. Et l'une d'entre elles leur a donné naissance. Ils ne sont pas comme nous. Ce qui nous tue les rend plus forts. On les a laissés dans un monde ravagé, empoisonné. Et ils ont appris à y vivre. Ils survivent en absorbant des radiations. Lorsqu'ils naissent, ils n'entrent pas tout de suite dans le monde. Pendant un temps, ils continuent à exister dans un rêve pour grandir et apprendre grâce à ceux qui les ont précédés. Nous avons détruit leur maison, mais c'est sous la terre que dormaient les plus jeunes. Près des jardins botaniques, près de la tour de télévision. C'était dans les bunkers sous les bâtiments de TV connectés à D6. Mais quand les ogives sont tombées, les tunnels d'entrée se sont effondrés. Les sombres qui étaient sur le point d'entrer dans le monde ont été bloqués à l'intérieur. À leur place, le petit sombre a ouvert les yeux, réveillé par l'explosion et le dernier cri de sa mère, sans savoir ce qui était arrivé, préparé à rien, ne sachant rien du monde. Il a tenté de rechercher les siens, mais il n'a pas pu les trouver, car les quelques survivants ont continué à dormir. L'heure du réveil était passée. Il pourrait bientôt mourir de faim sans jamais avoir ouvert les yeux. J'ignore comment Khan a pu persuader Melnik, mais il était on ne peut plus stoïque et n'a pas attrapé son arme lorsqu'il a vu le sombre. Les événements qui ont suivi m'ont encore plus choqué que les plans des rouges. Il y avait des sombres à D6.
Khan avait émis l'hypothèse qu'ils avaient été créés artificiellement avant la guerre. Pour en faire quoi? Des soldats immunisés contre les radiations et pouvant se passer de communication vocale? C'est possible. Mais Dieu a sûrement décidé de leur insuffler des âmes. Bon sang, pourvu que ça marche. On peut pas les ouvrir les casiers, non. Prépare-toi, Arthur. Reste près du petit. Hurrah, camarades! Que règne la paix! Au nom de nos enfants! Quel menteur! Khan, t'as perdu la tête! Je sais ce que je fais. Il faut me faire confiance. Juste pour cette fois. Qui êtes-vous? Garde, emmenez cet homme. Rangers, reculez! Artyom, petit, à vous de jouer! Hey Delta, comment ça va? Camarade Mosplin, il faut que tu m'aides sur ce coup. Ou sinon, des détails gênants pourraient ressurgir concernant la mort de ton frère. Il faut bien grignoter à un moment ou à un autre, hein. Tu sais. Ça fait un peu tard quand même pour manger, remarque, après. Moi ça va. J'ai entendu une conversation entre ton frère et son conseiller au sujet de la menace que tu représentes, ainsi que des moyens de l'éliminer. Comment ça? Une menace? Nous sommes frères! Il pense que tu te crois lésé et trompé. Il craint que tu veuilles le renverser. Il est complètement fou! Complètement! Je vais aller lui dire ce que je pense. Les mots ne suffiront pas à arrêter son projet d'assassinat. Il faut que tu frappes le premier. Ah, c'est pour pas qu'il y ait de reste en fait, hein, c'est pour ça. Comme ça, il n'y a rien à ranger, comme ça, hop. Elle va pas se faire chier à trouver une place au frigo, ou... Hein. Maxime, ou je sais pas où. Je suis heureux qu'on ait enfin réussi. Cette dispute était infondée. Trinquons ensemble. D'accord, mon frère. C'est ta faute. Qui voulait me tuer? Cambut t'a dénoncé. Et maintenant, il me tient par les couilles. Tout ça à cause de toi. Ah, tu connais pas du tout Delta, Métro? Pardon. Je suis désolé, mon frère. Je ne serai jamais pardonné. Mais je suis... Du
du coup là tu mettras un peu l'arc et la muscle, on est pas loin de la fin. Et celui-là c'est la suite de 2033, Metro Last Light. Est-ce que j'ai dit ça? Eh non, celui-là c'est la suite. Ah, je vois. Alors tu m'as donné quelque chose. Comme ce que j'ai donné à mon frère. Oui, j'avoue. Je l'ai empoisonné. Moi. Mais Corbett. Je suis idiot. Je croyais qu'il voulait me sauver. Et il s'est emparé du pouvoir. Il m'a pris à la gorge. Et il s'attaque à D6 maintenant. Et il y a ce virus. S'il tombe aux mains de Corbett, c'est la fin. Mais c'est vous le leader. Imposez-vous. Rappelez les troupes. Arrêtez-les au moins. Gagnez du temps pour passer un marché. Je ne peux rien faire ici. Vite, le leader. Allez, sur le quai. Est-ce de sale. Bon sang, je perdrai pas des 6. Suivez-moi. Ouais, il me semble que c'est la fin là. Là ça va être la dernière scène de combat je pense. Je me souviens plus exactement mais ouais, je crois que là c'est... Si c'est ça, là les balles vont voler. Ça va voler à mort. Ce sera mauvais pour tout le monde si tu perds. Alors je demanderai le raid. Ouais, non, mais c'est des bons jeux. Hein. En plus, t'as plusieurs fins. Enfin, plusieurs fins. Si tu joues gentil ou méchant, on va dire. Il a fait ce qu'il a pu. Maintenant, il a rejoint les siens. Je ne le jugerai pas pour ça. Ce qu'il reste de l'humanité est en train de s'entretuer dans un dernier combat. Cette guerre. J'espère qu'il a pu nous pardonner. Moi, pour ce que j'ai fait à ses frères et sœurs, à sa mère et à son père. Mais je trouve que ça change un peu des Call of, tu vois. Des FPS habituels. Tu vois, là c'est post-apocalyptique, y a des mutants. C'est un peu Fallout, mais sans être vraiment RPG. Bon, par contre, ouais, pareil, l'exploration t'oublie. Ça part plutôt en ligne droite quand même. À part un peu Exodus qui est un peu plus semi-ouvert, on va dire. Parce que bon, t'as quand même un périmètre à ne pas dépasser, mais tu peux quand même t'amuser à explorer. Half-Life, je l'ai pas fait le 2. Le premier, j'ai vu vite fait. Putain, il me tarde de le faire, parce que je connais pas... J'ai juste fait un peu le début, j'ai pas continué après. Mais ouais, Half-Life... Alors, est-ce qu'on a des pages de carnet à récupérer? Hein, il y en a deux. Donc pendant que je me ferai tirer dessus, je vais récupérer des pages de carnet aussi. Parce que j'aime lire pendant que je tire partout. Ah ouais? Alors, on fait demi-tour? Non. Il y a pas de livre? De non. Prêt. Bon. Je tourne un peu partout là, c'est juste pour trouver ce carnet. C'est pas ici au moins? Non. Ah, il y en a un là. Ça brille là-bas. Moskvin ne mentait pas cette fois. La ligne rouge avance sur trois fronts. Chers frères d'armes, je suis pas un homme de mots, mais écoutez-moi. Vous
Vous êtes les soldats les plus courageux et fiables de tout le métro. Chacun de vous vaut 5 rouges. Si vous faites votre boulot comme il faut, nous gagnerons ce combat. Sparte, à l'attaque! Sparte! Ah-ouh! Ah-ouh! Pourquoi ils n'ont pas fait le cri là, comme en 300 là? Putain, ça aurait été épique. Alors, première note. Il faut arrêter Corbut et l'empêcher de prendre D6. Si on échoue, tout ce qu'on a traversé après la guerre, toutes les épreuves auxquelles nous avons survécu durant ces nombreuses années, tous ces sacrifices, tout cela n'aura servi à rien. Le printemps qui a fait fondre la glace vieille de plusieurs décennies de la surface, nous donnant un nouvel espoir de quitter les ténèbres des souterrains pour sortir de nouveau le soleil. Est-il également inutile? Quelqu'un sera-t-il encore en vie pour accueillir ce printemps? Je ne crois pas. Tant que l'ordre tient D6 et que le dernier d'entre nous n'a pas rendu son dernier souffle, il y a toujours de l'espoir. On arrêtera Corbut, quel qu'en soit le prix. Pour nos amis et nos familles, pour le métro, pour le printemps que nous avons tous espéré, pour l'avenir. Alors, on va se refaire un peu notre garde-robe, enfin, notre petit arsenal. Qu'est-ce qu'on nous propose? J'hésite à prendre le Adios parce que c'est vrai que on peut avoir 20 cartouches de chevrotine, enfin 20 chevrotines, pardon, je vais y arriver. Et c'est vrai qu'il fait pas d'as le flingue, mais moi j'ai à peu près la même chose là avec celui-là. Si je mets un chargeur tambour, j'ai autant de cartouches, donc par contre c'est la portée peut-être après. Non, je vais peut-être garder le Saiga. Par contre, je vais peut-être personnaliser celui-là. On peut mettre un chargeur étendu. Ah, j'avoue que ça m'arrangerait parce que ce fusil, en fait, je ne pouvais que tirer une balle à la fois. À chaque fois que je tirais, c'est vraiment le vieux fusil de chasse à l'ancienne, quoi. Tu tires, hop, chut, il faut remplacer la balle. Par contre, je vais prendre le RPK cette fois, au lieu de garder le Kalash. Est-ce qu'on peut mettre un chargeur étendu? Oh nom de Dieu, un RPK avec un chargeur tambour, nom de Dieu. Ouh, ça va pleuvoir là, ça va pleuvoir. Ça va faire mal. Oh, sans une balle. Ouf, ça va piquer là. Bon, je sens que pour moi aussi ça va piquer hein, parce que je pense que je vais sûrement mourir. Ah ouais, elles sont sympas. Hein. Je sais plus si c'était dans, peut-être pas dans celui-là, c'était dans le 2033. Il t'avait recyclé une arme qui n'était pas présente dans le jeu doré. Le 2033, quand il est sorti de base, tu ne l'avais pas cette arme. C'est en fait un fusil à pompe avec 6 canons. C'est même pas à barrer, c'est vraiment 6 canons. Et en fait, le truc, c'était un vélo qui a été recyclé. Tu voyais tous les éléments du vélo, c'était marrant. Ça faisait vraiment recyclage. Préparez-vous, les gars. Tellement badass là à la fin. Et tout ça c'est rien que pour nous.
Par contre, il y a un défaut que je trouve à ce jeu, c'est la sensibilité. La sensibilité, je l'ai mis à fond, je trouve ça encore trop lent. Sur PC, ça va être quand même beaucoup plus jouable. Alors sur console, c'est une catastrophe. Tiens, goûte-moi ça. Bon, il n'y a pas une autre page du carnet là. Je me sens d'humeur à lire là pendant que je me fais canarder. Ah putain, j'étais trop lent. Ouais, le sniper, je vais le virer parce que c'est trop lent à utiliser. C'est pas trop adapté là. De toute façon, je m'attendais à ce que je meure. Ça, je m'y attendais. Parce que c'est quand même assez chaud quand même comme passage. Mais lance-la ta grenade là. Voilà. Pas aussi haut quand même. Ah. Ok. Allez, on se concentre un peu là. Parce que là, je suis pas trop concentré. Je fais un peu de la merde. On va prendre le RPK. Putain. Allez, cours, putain! Putain, mais lui, il a envie de mourir, Artyom. Ça, il en a marre de la ville. Putain, je reste comme un gros campeur, là. Fais l'autre. Ah, bah, je sais pas où viser. Je sécurise l'arrière au cas où. Ouais, c'est pas fini, hein. Là, ça fait que commencer. Oula. Ouais, on va se planquer. Allez, mais bouge-toi. Putain, il est lourd, Arthur, de pas bouger. Qui c'est qui me tire dessus? Ça vient de là? Je vois rien. Ah, d'accord, putain. Ah, oh, putain, il a fallu que ce con il bouge là, ça m'a dévié la trajectoire. Voilà. J'avais pas vu.
fais pas le fier. Ils sont encore forts. Ouais, on fait le plein. Ouf. Quitter la zone de tir et vont au point d'évacuation. Regroupez-vous et soyez prêts. Ils vont pas tarder à recommencer. Oui, chef. Où c'est quelle est l'autre page du carnet du concours portel. Ah, elle est là. Hop. Allez, allez, on va se faire un petit coin de lecture là. Allez, hop. Maintenant, je sais. Il n'y a jamais vraiment eu de réserve de nourriture ou d'équipement médical à Décy. Remarque, je vais peut-être pas te spoiler, Delta. Hein. Je viens d'y penser que maintenant là, mais je devrais peut-être pas te spoiler. Parce que là, je suis clairement en train de spoiler le jeu là. Putain, ça m'a donné soif là. Ouh. Ouais, bon. Alors, Melnik ne voulait pas nous le dire. Il continuait d'ouvrir des portes en espérant trouver ce qu'il avait promis. Une chance de nous sauver. Mais il n'a trouvé que des conteneurs pleins de virus, de bactéries, de spores mortels. Les anciens nous ont laissé une vaste réserve d'armes taboues, rien d'autre. Et on a ouvert la boîte de Pandore. Corbut le savait, il se moquait de la nourriture ou des équipements. Les gens rassasiés sont plus difficiles à contrôler. Ils en veulent toujours plus. On a ouvert la boîte de Pandore et on va la refermer. Ou mourir. Jusqu'au dernier. Ouh, c'est Noël! Mais c'est déjà passé. Le recul. Putain, on se croirait dans Fallout 4 là, dans l'extension Nuka World. Putain, ça en finit pas là. Où c'est qu'il y a d'autres là? Je vois rien. Ah! Oh putain, une unité lance-flamme. Et en plus, il est protégé par des boucliers. Voilà. On utilise toutes les bombes, on s'en fout. On utilise tous les explosifs. Faut bien que ça serve. Avec un peu de chance, ça va les cramer. Y'a pas des. Non. Ah, là, faut ce qu'il faut là, parce que là. Si l'autre avec son lance-flamme s'approche, on est mort. Ouais, c'est la caca, c'est la lélère. Bien joué, tout le monde. Putain, il en reste encore. Écoutez, non? J'espérais ne pas. Mais c'est le cas. Alors. Vos gueules, on n'entend rien. J'ai envoyé l'ordre à police. Ah, putain, ils ont écouté. On a perdu D6, notre seule option est de le détruire. Comptez sur nous, monsieur. De toute façon, on n'est pas éternel. Ouais, c'est pas gentil, faut pas dire de gros mots. Hein.
dedans. Taisez-vous, Kirillov. Ici, il n'y a que des Spartiates morts. Je me sens comme Xerxès. Quel incroyable gâchis d'hommes et de ressources. Tant de bons soldats perdus. Et pourquoi ? La station police ? Le conseil ? Ah bon sang. Tout a été nettoyé par le feu de la Révolution. Quelle agréable surprise ! Colonel Melnik ! Ou plutôt ce qui reste de vous. Artyom ! C'est... l'heure ! Et qui avons-nous là ? Ah, le jeune homme plein de ressources. Dites-moi, Artyom, le sauveur du métro, où est-ce que vous allez ? Artyom, c'est pas utile maintenant. Ouais, t'as vu ça, hein. C'est un peu space, mais bon. Ça a son charme. Ullman est mort, comme la plupart des Spartiates. Melnik survécut, et il commande désormais les gardes de police, depuis son fauteuil roulant. Khan, lui, a disparu. Un jour, il m'a dit... Et si ce petit sombre était le dernier des anges, venu nous sauver ? Le fait que ce petit être soit revenu avec les siens, c'était peut-être ça, le pardon et le salut. Pour moi, pour l'ordre, pour tous ceux du métro. La dernière lueur d'espoir dans ce royaume de ténèbres. Ce sera mieux pour tous si on s'en va, Artyom. Mais un jour, on reviendra. Je serai grand, alors. Au revoir, mon ami. Ah ouais, t'avais pas compris. Les sombres sont partis. Merde, ça parle encore. Merde. Mais je sais que je les reverrai. Et oui, j'avais oublié de dire que c'était... C'était l'ordre de Sparte. Peut-être était-il vraiment envoyé pour nous sauver. Peut-être avons-nous mérité notre rédemption. Oh, mais c'est clair, tout à l'heure, ouais, ils auraient dû faire ouais, comme les Spartiates. Attends, ça aurait été plus badass quand même. Non, mais c'est qu'ils ont pas dû voir le film. Moi, je pense que c'est pour ça. Je sais pas s'il y a une... Bon, je pense pas qu'il y aurait une scène post-crédit. Hein. Parce que ça, c'est vrai que c'est chiant dans les jeux quand tu veux... Des fois, t'as des jeux où tu passes et quand t'as une scène post-crédit, tu passes à côté, quoi. Ça, c'est vrai que c'est chiant. Bon, du coup, on a fini le jeu. On va pouvoir commencer à faire les DLC. C'est des petites missions bonus. Bon, c'est pas Artyom hein, qu'on incarne, là. Je crois que dans aucune des missions on incarne Artyom, hein, je crois pas. Hein. Objectif, arrêter les troupes de défense de la ligne rouge. Attends.
Ah, on incarne le Reich là. On incarne le Reich et il va falloir. Ouais, il va falloir défendre. Notre position contre les rouges. Je crois que cette mission elle me parle. Si c'est ça, je vais jouer en normal. Parce que c'est hyper dur. On dirait, tu sais là le commandant, je sais pas si t'as vu, c'était dans quoi, dans Astérix et la surprise de César. Tu sais le commentateur qui gueule après son mégaphone, on dirait trop lui quoi. Là t'as envie de lui donner un verre d'eau pour qu'il s'hydrate là, bah, c'est là le pauvre. Ça roule. Ouais c'est ça. Attends, je mets en pause vite fait. Il faut le faire, ouais. Ça, c'est quand même un jeu à faire. Et en plus, un truc que j'adore dans ce jeu, c'est, bon déjà c'est les filtres. C'est la gestion des filtres, là, quand tu vas à la surface. Mais surtout quand tu as les ce qu'ils appellent les balles militaires. Qui est en fait la version de luxe des balles normales. En fait, c'est pour le fusil d'assaut, juste. Parce que t'as les balles standards, on va dire. Et des balles militaires. Et les balles militaires, en fait, c'est des balles hyper puissantes. C'est des balles d'avant-guerre. Elles font beaucoup plus mal que les balles standards. Mais en plus, tu t'en sers comme monnaie d'échange. Ça, franchement, je sais pas si j'ai déjà vu ça dans d'autres jeux. Où tu monnaies avec des balles. Franchement, les mecs, c'était des génies, là, pour ça. Ah, fallait y penser. Moi, je sens que je vais faire massacrer. Il y a l'autre à côté qui me gêne. C'est comme dans les Call of. Quand tu braques un allié, ça tire plus. Ça, c'est une horreur. Qui fait de la lumière, ça m'aveugle. Bon, c'est pas grave. Attends, je me mets à couvert un peu vite fait. Putain, l'explosion là. Oh, le mec, il s'en fout. Ah, pas besoin de se soigner. Oh, bah j'ai cru. Marc, j'aurais peut-être pu gérer en difficile, mais j'ai. Par sécurité, j'ai préféré garder. Mode normal parce que je suis pas très à l'aise avec les missions des extensions. Je les ai déjà fait, mais c'est quand même beaucoup plus dur. Il y a un truc, une mission dans ce jeu où en fait t'es dans un simulateur de combat, c'est infaisable. Même en normal, c'est infaisable. Fusil, un railgun. J'allais dire un fusil à impulsion, mais non, c'est un railgun. Pour tout coup. C'est qu'il faut le charger et attendre un certain temps pour un châtier. Ah oui. Il faut charger la batterie. Le railgun l'emporte sur les cibles blindées. Ah ouais, ah non mais c'est ça, ça c'est la mission du carnage. Là tu restes ici en fait et tu tires. Tu tires sur tout ce qui bouge. C'est quoi ce bordel? Alors cette lumière elle commence un peu à me titiller. Putain, on peut pas le péter. Ah mais c'est pas une lumière en fait, c'est d'accord, c'est juste
je sais pas ce qui s'est passé là. Ça a dû, ça doit être lui là qui m'empêche de tirer là. Ça va, on est quand même à fond, encore toujours en batterie. Putain, mais quelle idée aussi de se foutre devant là. Ça me gêne pas du tout. Ah, mais j'ai plus de. Non, on s'en fout de ça. Oh putain, il est en train de recharger. Bon, là je suis obligé de recharger, je peux pas faire autrement. C'est bon, t'as fini de recharger. Hop, on ramasse tout. Du coup, on va pouvoir se soigner maintenant. Ah, mais j'ai plus besoin. D'accord. Bizarre. Ça devrait le toucher. Putain, mais le mec il encaisse hein. Ouh, c'est un peu trop près là. Pas dedans toi, mais qu'il est con celui-là, c'est pas vrai, il a rien compris lui. Ah évidemment, t'es enfoiré. T'es l'autre sur la droite avec son rayon infrarouge, là, il commence à me gonfler là. Je vais lui faire bouffer là son sniper là. Où c'est qu'il est là? C'est pour ça que je choisis pas en difficile celui-là, parce que voilà pourquoi. Parce que c'est infaisable, limite. C'est une torture cette mission. Ah, c'est une vraie torture. En plus, avec la manette, là, c'est juste catastrophique. La sensibilité, on peut même pas être très fort. D'accord, ça l'a pas tué. J'aimerais bien être tranquille là, comme ça je peux me concentrer sur. Putain, ils sont juste à côté. Oh mais il en arrive tout le temps là, putain, là, ça devient chiant. Là. C'est une grenade incendiaire qui m'a lancé l'autre. Oh,
Honnêtement, je sais même plus si j'étais arrivé à faire cette mission. Putain, mais les snipers, ils sont blindés aussi, quoi. C'est quoi ce délire? D'accord. Voilà, je suis mort. Là, je vois pas comment je peux l'éviter, ça, par contre. À moins qu'il faut que je reste en arrière, mais j'ai un doute. Hein. Bon, si j'y arrive pas, je change de mission et puis c'est tout. Je sens qu'on va y passer la journée, là. Allez, mais tire, putain. Dans la tête, tout va bien. Bah, j'aimerais bien les achever, mais comment dire? Ah non, mais ça, c'est quand il y a ça qui t'arrive dessus, c'est fini quoi. En fait, je sais pas, est-ce que c'est faisable pour moi ce truc? Parce que je me demande là. Déjà que moi je trouve qu'ils servent à rien déjà. Mais reste pas devant. Putain, quel poulet celui-là. Hop, merde, je tire, tant pis. Bon d'accord, ça passe à travers. Tout va bien, ça passe à travers. Allez, mais lance-les tes grenades là, t'en as plein là. Faut que ça serve un peu là. Ça, ça m'a pas tué, c'est bizarre. Là, ça m'est arrivé en plein dessus quand même. Ah, c'est vrai que ça doit réchauffer là, parce que là il doit faire froid là. C'est vrai que ça fait du bien le soir, petite touche. Comme ça, lance grenade.
Oh, ça pardonne pas le truc. Hein. Oh la vache. Ah, je sais pas ce que ça a touché là. Rien, on dirait. Bah, ça a rien touché, c'est bizarre. Ah oui, j'avais pas vu là. Coucou. Là par contre c'est pas ça qui va m'aider. Là. Mais tire putain, mais qu'est-ce que t'attends là? D'accord, j'ai plus de... J'ai plus de soins ou quoi? Bah si j'en ai. Ah mais d'accord, mais c'est que j'ai pas besoin de me soigner en fait, d'accord. Pas très clair ce jeu, enfin ce DLC là. Pas très clair. Ah, j'ai pas vu! Ah merde, j'ai pas vu! Oh là là! Pff. Ah, mais quand tu dis je touche la nouille, non, c'est parce qu'il fout rien quoi! Ah, je crois qu'il. J'ai cru qu'il se touchait vraiment la nouille. Ah, oh, ça aurait été drôle! Ah, j'aurais bien rigolé quand même de voir ça! Ah, j'y attendais là. Là, je l'ai vu venir. Là, je me dis, ouais, c'est mort. C'est mort. Vu la vitesse de déplacement du mec. Qui est juste infâme. Bon, en même temps, ça se comprend, hein, vu le matos qu'il porte. Hein. On peut pas le tirer dessus là, ça lui fait rien. Ouais, non, laisse tomber. Ça tire, c'était un peu trop près. Même frôler le crâne là. Ça tombe bien, là, je voulais pas me faire. Je voulais devenir chauve, ça tombe très bien. Maintenant il reste plus qu'à faire sur les côtés et derrière. J'échappe de peu au ravalement de façade là, putain, la vache. D'accord, ah maintenant, allez hop, on augmente la difficulté, allez maintenant les grenades, les projectiles explosifs passent à travers le décor. Oui. Ça le touche pas, c'est bizarre.
Putain, j'imagine même pas en difficile comment c'est. Parce que là, c'est immonde la mission. Là, c'est juste en normal. Elle est infâme cette mission. Ah ben moi, j'essaie de péter les roues avec ma Kalachnikov. Hein. Je me dis peut-être que ça peut marcher. Putain, vous êtes des bons les gars là. Hein. Putain, on se croirait dans Star Wars, là, ça tire de partout. Pipiou, 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 pipiou. On se croirait vraiment dans Star Wars. Ça tire partout, mais sauf sur sur les cibles. Non, j'ai pas fini encore. Il faut qu'il reste plus rien. Ah, ça c'est une bonne journée. Ah, non, il y en a un qui bouge encore là. Ah ouais, non mais là j'étais prêt à faire partie du chauve gang là. Complètement là. Mais bon. C'est con là, ils m'ont juste enlevé le dessus, mais ils ont même pas enlevé les côtés et derrière. Pff. Ouais, ils auraient pu finir tant qu'à faire. Hein. Et heureusement que j'ai pris normal, hein, parce que. Alors, qu'est-ce qu'on a en nouvelle mission aussi? Ah, ça c'est une des meilleures celle-là. Est-ce que je reste sur difficile normal, je veux dire. Non, je pense que difficile, ça devrait aller. Celle-là, c'est une des meilleures. Voilà, ça y est. J'ai enfin prouvé que j'étais digne. Celle-là, je m'en rappelle très bien. Je suis digne de prendre part à la mission qui consiste à retrouver les artefacts essentiels à la préservation des connaissances et de la culture de l'Ancien Monde. J'ai été affecté à l'équipe menant les recherches du côté de la bibliothèque Lénine, à la fois l'un des secteurs les plus dangereux et les plus prometteurs de feu Moscou. Là on va être dans un secteur de la bibliothèque Lénine, hein, pour ceux qui ont fait 2033. On va être dans un secteur prédéterminé. Et il va falloir récupérer des objets. Ça va être comme dans les point and click là, vous savez, là quand il faut cliquer sur. Hop, il faut trouver tel objet sur cette image. Là ça va être un peu pareil, bon, sauf que là on sait pas où ils sont, mais il va falloir les trouver. Et on aura une liste. Bonjour, Stoker. À partir de maintenant, on va travailler ensemble. Bon, voilà le topo. On gère une petite opération ici. Une équipe de 5, dont toi et moi. Je m'appelle Kuzmich, et je suis en charge du matériel. Armes, équipement. C'est moi qui te fournirai tes jouets. Tu vois le type en tenue? C'est Shaman, notre expert. C'est lui qui contrôlera les trucs que tu redescendras et te lâchera les munitions. Et puis il y a les jumeaux. Mais tu les rencontreras le moment venu. Bon, en ce qui me concerne, tu peux m'acheter autant d'armes, d'équipements et de filtres que tu veux. Quoi? Tu croyais que t'allais avoir tout ça gratuitement? Tu rêves, partenaire. Allez, prends ton équipement. Les filtres, le masque, le medipack et les flingues. Oh, au fait, quand t'abats une de ces créatures, regarde dedans. Tu sais combien elles peuvent avaler de garantier avec leur équipement? Les saloperies. Bon, cette fois c'est parti, Stoker. Bonne chance. Il est mignon son petit truc. Est-ce qu'on a une arme déjà? De base. Ouais, on a un bâtard et... Comment il appelle celui-là? Le H-Shot? Le truc, un genre de revolver, mais qui tire que des chevrotines et c'est qu'une chevrotine à la fois. Bonjour, bonjour et rebonjour. Je suis Shaman. J'évaluerai tout ce que tu rapporteras de la surface et te rémunérerai en conséquence. Tu rêves peut-être encore de partir en quête d'artefacts légendaires, comme la fameuse carte du métro secret, mais je crains de devoir te décevoir. Voilà la liste des choses que tu es censé rechercher. Carburant, œuvre d'art,
objets utiles divers tels que des jouets, des composants électroniques, etc., etc. Rien de bien passionnant, vois-tu. Tu t'es lancé une partie de quoi, Delta ? Alors voilà. Tu sais ce que tu es censé chercher. Voilà, ça c'est la liste des objets qu'il va falloir trouver. Reviens-nous vite. Oh, et n'oublie pas les ampoules. Et dès qu'on les trouve, hop, ça sera noirci les noms. Ah, d'accord. Faudrait que je l'essaye sur ce jeu un de ces jours. Je sais pas si ça me plairait, enfin bon. Je suis pas trop multi, mais bon, de temps en temps quand même. Faudrait que je l'essaye. Ben, tout ce qui est jeu multi. Ah, un nouveau. Salut, moi c'est Bar. Salut, je m'appelle Sue. Alors, c'est toi qu'ils ont envoyé pour bosser avec nous? Bah, on dirait bien. Grisha s'est fait bouffer, alors il ne reste plus que ce gars. Dans ce cas, on a 2-3 conseils à te donner. 3 conseils, les 3 règles de survie. Vrai. Première règle. La plus importante de toutes, ne compte pas trouver des filtres à la surface. Donc, ce que tu emportes détermine ton espérance de vie. Prends-en toujours assez pour faire l'aller-retour, et même un peu plus. La deuxième, le sas donne sur les égouts. Les égouts te mèneront à la surface, dans différentes sections de la bibliothèque. En fait, ça ne donne plus que sur une section. Mais trouver les autres sorties fera partie de ton travail. Exact. Bon, où j'en étais? Ah oui, on sait pas grand chose. Ah ouais, Fortnite. Alors, être à point d'accès aux égouts. Et enfin, troisième règle. Tu vois cette boîte avec les ampoules là sur la table? Tu vas la prendre avec toi. Parce que tu vois, on a remis le jus dans le réseau électrique, mais on n'a pas encore remplacé les ampoules. Donc, ton boulot consistera aussi à les mettre en place partout où tu iras là-haut. Ça te facilitera la tâche au moment de retrouver ton chemin, et ça rendra l'endroit un peu plus chaleureux. Et n'oublie pas de refaire ton stock d'ampoules à chaque fois que tu reviens. Allez, bonne chance. Bien. Oh non, non, Fortnite. Ah ouais, ce mode construction, j'ai jamais compris l'intérêt. Allez, hop, direction la surface. Non mais c'est vrai, c'est le jeu Battle Royale, t'es occupé à essayer de poutrer l'ennemi. Et en même temps, je sais pas, je comprends pas. T'es le mec, il est occupé à essayer de tuer un mec, et puis voilà, je vais te niquer et en même temps je vais me faire une petite mezzanine pour tant qu'à faire, avec un petit balcon. Non mais c'est complètement con. Hein. Ah, Crucial, Fortnite fait partie de tes jeux favoris, d'après ce que j'ai compris. Alors déjà on a quelques trucs à trouver là. On a un livre, un téléphone. Ouais, on redescend. Il va s'étouffer sinon ce con. Ouais, le Battle Royale c'est la mode maintenant. Faut aimer le Battle Royale. Je sais pas ce qu'ils ont les gens avec ça, le Battle Royale. Par contre, moi, le principe de... Bon, c'est vrai que je suis pas trop jeu multi, pourtant j'ai joué un peu Apex. Je trouve le principe sympa quand même, quand... un peu à la... comme Fortnite, hein, de son... et Warzone, quand on te fait spawner à un endroit, et hop, tu n'as pas d'arme sur toi, il faut que tu fouilles des bâtiments, tout ça, pour les récupérer. Ça, je trouve ça sympa comme principe, mais par contre, ce soit du Battle Royale, je suis pas fan.
D'accord, il se casse, ok. Voilà, faut que je fouille les cadavres parce qu'il y a des balles. Ouais, non, mais le fait d'apparaître sur une carte et qu'il faut avancer pour récupérer des armes, ça c'est sympa comme, comme principe. Après, je suis pas fouillé, mais après, quand même, ce genre de jeu. Ah, il y avait un nounours, j'avais pas vu. Bon, vu qu'on a quand même récupéré quelques objets, on va retourner à l'abri. Parce qu'il n'y a que comme ça que ça sauvegarde. Parce que là, si je meurs, faut recommencer. Non, j'ai pas d'explosif. Ça, c'est le gros point faible de cette mission, c'est... là, si tu meurs, t'es mort. Y a rien à faire, faut recommencer. Donc faut sauvegarder souvent. Hey, lui c'est sous. Hey, c'est bas. Pense bien à tes filtres. Et n'essaie pas d'entrer dans la bibliothèque tout de suite. Tes filtres tiendront pas le coup. Mais plus tard, si t'économises et que tu t'achètes un tas de filtres. Et que de quoi ça rapporte? Ah, les Battle Royale, ouais. Alors tu pourras t'attaquer aux gros morceaux. Ça manque les vieux FPS. Genre GoldenEye et trucs comme ça. Ça manque un peu. Lui avait des lunettes de vision nocturne. Mais enfin, même Duke Nukem 3D et trucs comme ça. Les Doom-like, ça manque quand même. Mais là, j'ai vu qu'il y avait un genre de Doom-like là. Bonjour, qui est en accès anticipé. Il a pas l'air mal. J'ai hâte de voir le fruit de ton expédition. Attends, c'est comment déjà son nom Prodeus. Un truc comme ça. Putain, ça avait l'air sympa. Oh, une étude sur la conception d'un arbre de transmission. Ça pourrait être utile. Rien qui ait de la valeur. Les enfants vont adorer. Essaie d'en rapporter plus la prochaine fois. Eh bien, c'est tout ce que je peux te donner pour ça. En parlant d'expédition, tu devrais souffler un peu entre les sorties. Ça augmentera certainement tes chances. Tout ça et rapplique en vitesse. Je vais te vendre des filtres et des balles. Ouais, on va faire une petite sauvegarde. Ouais, les vieux FPS, ça manque. Il y a Yon Fury aussi que j'ai pas encore testé encore. J'espère qu'il est bien comme celui-là. Ah ouais, on peut jeter si des tenues. Tu essaies d'aller à la bibliothèque sans elle, tu reviendras pas nous raconter ce que t'as vu. Il y a des points à la surface où cette combinaison est indispensable. Sans elle, il te faudrait une tonne de filtres. Ah ouais, ça c'est pour... ouais. Garder maximum de filtres et ça c'est pour la protection. Et évidemment on peut choisir que l'un ou l'autre. Sinon c'est pas assez drôle. Est-ce que je pourrais pas avoir le Funestus par exemple? Ou peut-être au moins le... Non, on marque non. Ah ouais, il est bien hein, Stranded Deep. Il est bien, mais instable. Il est complètement instable. Une fois sur deux, ça plante quand tu arrives sur une île. Enfin, après, je sais pas sur quoi vous le faites. Enfin, moi, je sais que sur PS4, il plante. Ah, sur PC, ah, il doit être plus stable sur PC, je pense. Il doit être beaucoup plus stable. Eh ben oui, c'est vrai, il était gratuit. C'est vrai. Ouais, il doit être quand même beaucoup plus stable ouais, sur PC. Et d'après ce que j'ai compris, ils avaient parlé de l'éventualité de faire un mode multi. Ça doit être sympa. Hein. Ah ouais, ça y est, ils ont... Ça y est, le mode coop, il est mis sur PC, ça y est.
Ah, il doit être sympa en coop. Ah ouais, ce serait sûr. Après, bon, entre le mode coop ou la stabilité, là, par contre, le choix est pas facile. Mais bon, en mode coop, putain, oui. Attends, ils l'ont bien fait pour The Forest. Bon, c'est pas les mêmes développeurs. Peut-être que si, remarque, non, je crois pas. Bonjour. Il a failli m'avoir lui. Ouais, je commence à me dire, j'aurais peut-être dû prendre le Funestus, hein, tant pis. Ah ouais, oh, ah ouais, là, en partageant en deux, ouais, ça doit être... Putain, ouais. Pff, ouais, c'est comme Minecraft, là. Qu'est-ce que tu veux y voir quand c'est splitté en deux là? Et encore, à notre époque, tu t'en foutais quand t'avais un... En plus, t'étais même content quand t'avais un jeu où tu pouvais jouer plusieurs, que l'écran était splitté. Mais maintenant, c'est fini ça. Il y a une vingtaine d'années, t'en étais content, mais là, là, ça c'est. C'est enterré ça maintenant, cette époque. Elle est enterrée. Non, non, c'est pas ce que je veux faire. Ouais, je vais aller me reposer, comme ça, ça m'évitera d'utiliser un medipack. De toute façon, je crois que j'ai rien ramené hein, pour le. Non. Je vais en prendre 3. Après. Non. C'est pas là, c'est un peut-être là. Les filtres coûtent cher, mais c'est la vie, petit. Tu peux pas sortir sans ça. Ah d'accord, mais ça m'a même pas soigné. D'accord. Bon ben. Ah d'accord, je peux pas non plus utiliser le medipack en intérieur. Ouais, je vais peut-être me prendre une autre arme du coup. Ah, du coup, je peux en prendre une autre. Bah, tiens, on va prendre le revolver, tiens. Marque les accessoires pour l'instant. On va pas trop être regardant dessus pour l'instant. Parce que là, les accessoires, honnêtement. Ouf. Ouais. Il va falloir surveiller ses fesses là parce que là. Il me reste combien de balles? 36, ouais non là c'est mort. Là je peux pas acheter Mais je crois qu'il voulait même rendre les îles plus grandes dans ce train d'être deep. Parce que c'est vrai qu'elles sont minuscules quand même. Il y a des bestioles là. Je sais pas où, mais il y en a. Je crois que j'avais fouillé là déjà. Donc ça sert à rien. Là par contre, je sais plus. Ouais, si. J'avais dû fouiller déjà aussi.
Bon, par contre, on tourne en rond quand même dans ce DLC. Mais je trouve que c'est l'une des meilleures missions quand même. Ah, mais je peux pas passer par là, d'accord. Donc il faut que je prenne l'échelle, ok. Je suis obligé de monter par là. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé à clé. Juste attends. En plus, il y a une incendiaire alors là. Oh putain, merde. Putain, juste attends. C'est pourquoi faire ça? À quoi ça sert? Là maintenant elle est plus. On pourra sortir par là maintenant. Il faudra sortir, donc on va faire demi-tour. Des balles à récupérer. Hey, frangin, allez, allez, bouge ton cul. C'est bon. C'est quoi déjà ça? Faites une pause à la station pour sauvegarder. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est juste ouais, des astuces. De quoi? Le truc des filtres, hein? C'est quoi cette histoire? Ouais, le prix des filtres augmente à chaque achat. Ouais, ça je le savais, je m'en rappelais. Ah non, c'est les artefacts, d'accord. Ouais, on peut en porter que 5 à la fois. Ah ouais, du coup, ouais, ça nous oblige vraiment à revenir souvent, du coup. Ah, je vois, du carburant. En effet, c'est acceptable. En effet, c'est acceptable. Bien, bien. Mmh, magnifique. Bon travail, jeune homme. Et voilà. Ouais. Fais attention dehors. Du coup, on va changer d'arme. Soit je prends le double canon, soit je prends le funestus. Celui-là, il a 105 et celui-là, 75. Et la calache, combien? 113. D'accord. Merde. Ah, ça marche pas des masses.
Ah, tu l'as pas encore installé. Après, je sais pas si c'est peut-être pas le la version Redux. Parce que avec la version Redux, ils ont quand même remodélisé les têtes des personnages. Parce que dans le vieux 2033, les têtes c'est pas les mêmes. Marque le fusil d'assaut, on s'en fout pour l'instant. Ou alors je prends juste le duo pour l'instant. Oh puis merde non, le funestus. Voilà. Ah peut-être que je peux peut-être non, je peux rien du tout. Et ben c'est pas grave. Comme je disais, je sais plus si c'est à l'MMN ou à Delta, les métros ça change vraiment des Call of. Niveau univers, là on place vraiment dans la science-fiction et moi je préfère largement métro à Call of. Mais complètement. Hein. Ah, c'est le Redux, bon ça va alors. Ah, parce qu'ils sont quand même moches sinon. Sortir. Il y avait des flèches là, je sais plus où, pour nous indiquer la sortie là, mais là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, je mets des ampoules comme ça au moins. C'est pour se dire qu'on est passé. Parce que c'est quand même facile de se perdre quand même, je trouve, quand on connaît pas trop. Ça peut être perturbant de faire je sais pas combien de galeries en tout, mais il y en a. Oh, il y en a un autre. Ah, j'ai presque plus de batterie. Il va falloir charger. Allez, un coup de dynamo. Et ça va mieux. Alors ça, du coup, ça nous ramène au début. Cette porte a été verrouillée, maintenant elle est plus. Ah, du coup, au fur et à mesure, on va débloquer des raccourcis quand même pour rentrer. Parce que bon, les filtres ils sont pas infinis, donc il me reste combien de temps? Ah d'accord, j'ai plus rien quoi. Ouais, il me reste même 2 minutes, même pas. Par contre, la petite nouveauté de cette mission, c'est que les meubles ils servent à quelque chose. C'est pas de la déco. Tous les meubles qui ont des tiroirs là pour cette mission, en fait, faut tous les fouiller parce que là il y a des munitions. Putain, je l'ai entendu au dernier moment, l'enfoiré. Bon, on montera plus tard. Pour l'instant, on va juste se contenter du. Du rez-de-chaussée.
Et ça, Metro, crucial si t'as, si tu connais pas, ouais, c'est vraiment une bonne, un bon jeu quand même. C'est une bonne saga. C'est comme disait Delta. C'est le seul jeu que enfin, je sais pas s'il y en a eu d'autres, où la monnaie d'échange dans ce jeu, en fait, c'est des balles. Mais des balles militaires. C'est des balles d'avant-guerre, ce qu'ils appellent. Elles font très très mal. Mais justement, le fait qu'elles fassent très très mal, en fait, tu te dis, bon, faut peut-être que j'utilise, mais en fait, non. C'est la monnaie du jeu. Donc, des fois, il vaut mieux se dire, je les garde pour acheter des trucs plutôt que les utiliser pour tuer, quoi. Et ça, franchement, je sais pas s'il y en a eu d'autres jeux comme ça. Le principe, il est vraiment intéressant, le principe. Allez, on se casse là, parce que là... merde, c'était où déjà? Ouf, c'est bon. Heureusement que là, il n'y a pas besoin du masque, parce que là, on serait mort là déjà. Entre les deux premiers métros, tu vas avancer en ligne droite. Tu peux pas tellement explorer. Ça, c'est dommage. Enfin, il y aura bien quelques missions où tu pourras éventuellement aller un peu par-ci par-là, mais au final, non, non, c'est pas du monde ouvert. Bonne journée. C'est toujours un plaisir de te voir. C'est pas comme Stalker. Tu vois, Stalker au moins c'est un monde ouvert. Bah j'ai pas eu de trucs à lui ramener. Ah peut-être pas. Tiens, je sais même plus. T'as Stalker aussi, j'attends de les faire, ceux-là aussi. Bon, par contre les graphismes j'accroche pas du tout. Pour Stalker. Il me reste juste un medipack. Par contre, je vais prendre des filtres parce que là, j'en ai plus du tout. D'accord. Ah, mais c'est des filtres de 5 minutes. D'accord. Ouais, je pense que ça ira. Je vais t'attendre prendre un autre marque. Hop là. Il ronfle là, il imite bien une radio brouillée. Putain, c'est. On s'y croirait presque. Hein. Il ronfle par intermittence. Ouais, n'empêche, c'est balèze. Même moi, j'en suis incapable. Pas de l'autre côté, non. Non. C'était par là. Ah, nous avons un volontaire. Oh, le bug. Voilà, en fait, il s'est pas rendu compte tout de suite qu'il était déjà mort, en fait.
Alors, le rez-de-chaussée, c'est bon. On avait tout fouillé normalement. Bon, par contre, ce qui aurait été bien, c'est de pouvoir se retourner rapidement quand même. Ça aurait été bien. Parce que quand t'as un truc qui te course derrière, le temps que tu te retournes, si t'es déjà en mauvaise posture, ben là, tu peux être sûr que là, tu y passes. Ça fait gaffe à ces trucs-là. Je sais pas ce que j'ai ramassé. J'ai voulu aller vite pour prendre deux coups. Je pourrais aussi leur tirer une balle. Ça les immobilise pendant quelques secondes. Je sais pas combien de temps exactement, mais... Voilà. Là par contre, à mon avis... un autre. Voilà, par contre. Voilà, hop, tu les touches. Pendant quelques secondes, t'es tranquille. Ça dure pas longtemps. J'étais trop lent là. Putain, y a un cadavre de monstre. Ah, on peut pas le fouiller. Super. bon bah du coup, je vais revenir à l'abri parce que là je sais pas combien de temps ça risque de durer si je rentre là-dedans. Je sais pas si je pourrais ressortir aussitôt, donc puis vu que j'ai collecté des artefacts, je vais aller les ramener. Ah mais là à chaque fois t'as un ennemi qui arrive là quand t'arrives là. À chaque fois. Ça casse le suspense je trouve. Là par contre on enlève le masque parce que là ça ne sert à rien. Ce serait dommage de le casser inutilement. Ah super. Oh putain, ça va pas s'ouvrir. Là ça va être la fiesta là. Allez on court là parce que là. Allez cours. Allez, on fait la queue. On attend son tour. Ouf, ça va, ils ont pas refermé. Cela aussi, il faut se méfier. Des fois, c'est pas... C'est déjà arrivé que... Je survive à une embuscade et au final, c'est con, ils avaient refermé le portail. Et du coup, j'avais rappuyé sur l'interrupteur et ça avait encore déconné. Ça peut arriver. Hein, j'ai pas fait attention. Ouais. Fais voir si je bouge beaucoup là. Si je bouge un peu la caméra. Ah ouais. Ah bah, faut croire que ouais. Moi qui croyais que justement, il me semblait que c'était moche aussi, mais. J'étais tellement focalisé sur la qualité de la vidéo que je me suis dit que j'ai même pas pensé que les gens ils pouvaient pas forcément voir 2080. Ça j'y ai pas pensé du tout. Hein. Ça j'y aurais pas pensé.
Mais attends, j'ai pas beaucoup de balles là. Des romans d'amour. Un vélo ? C'est une grande trouvaille, une grande trouvaille. Ah, du très bon travail. Ah, c'est des pièces d'armes. Et voilà ta rémunération. C'est quoi qu'on a oublié ? Une horloge et une paire de lunettes. C'est vrai qu'une paire de lunettes, c'est indispensable comme artefact. Hop, on va remplacer le masque. Est-ce qu'on s'achète une nouvelle arme ? Je trouve quand même que Funestus, ouais, il est pas mal quand même. À moins qu'on mette un canon étendu. Putain, mais les autres, il te faut un bordel, les autres à côté là. Est-ce que j'ai beaucoup de balles de fusil d'assaut ? Pour une cinquantaine. Ouais, putain, par contre, le fusil à pompe, il me reste 5 cartouches. En réserve. Putain, ouais, ça commence à descendre le stock là. Cette balle militaire, si j'achète. C'est quoi ? C'est par combien que je les achète ? Je crois que c'est par 6. Ouais, je me débrouillerai. Je vais me débrouiller. Par contre, je vais peut-être prendre la Kalash parce que le bâtard, je suis pas tellement fan de cette arme. Je trouve qu'elle fait pas de dégâts. Chevrotine, là c'est un peu la dèche. Hein. Pas de bestiole qui m'attend, bizarre. C'est vraiment dommage quand même que le truc, t'es sûr que à partir du moment où tu te dis ça y est, le truc il va tout le temps arriver, ça gâche complètement le suspense. Ça pète l'effet de surprise. Ah, c'est vraiment dommage. Bon, on va rentrer là-dedans. La paire de lunettes. Ah, l'horloge. Voilà, comme ça on déverrouille la porte. Oh, bah finalement, j'aurais pu fouiller un petit peu. Marc, après, je sais pas si j'aurais pu tout transporter parce que vu qu'on a une limite de 5 artefacts. On va sûrement tomber sur des bibliothécaires à mon avis. Ça va être sympa. D'où elle sort cette bombe là? Putain, ouais, il y en a un tout près là. Saleté de bibliothécaire. C'est dommage, dans Last Light ils l'ont plus mis ce genre de bestiole, mais. Ouh. Chaud, hein. Chaud à tuer. Très très chaud à tuer. Putain, d'où ils sortent eux?
Bonne nuit, Crucial, merci d'être passé. Ah, j'avais pas vu l'heure, ouais, 10h30. Je vais encore jouer un peu, après j'irai au lit. J'essaie de pas aller au lit trop tard ce soir. Bon, là y'a rien, là y'a rien. Et là y'a rien. C'est très professionnel de bailler en plein live. Oh, il y a un poster là. Ça a l'air vachement irradié là. On est à combien d'artefacts là? Merde, c'est pas marqué. Oh, c'est quoi ça? Je n'avais pas pris le tableau. Hop là. Ouais, je rentre vite à l'abri. De toute façon, je sais plus si j'avais assez de place pour d'autres artefacts ou quoi. Et dans le doute, je préfère rentrer. Je vais m'arrêter pour ce soir aussi. Ça fait pas 3 heures, mais bon. Je vais essayer de pas trop veiller tard ce soir. Ah, mais je porte toujours le masque. Il faut peut-être que je l'enlève un peu aussi. Bon ben bonne partie alors du coup Delta, bon PUBG, merci d'être passé en tout cas, et puis à la prochaine. Et toi aussi, merci. Besoin de quelque chose? Ouais, à bientôt, ça marche. Ok, et bien on va s'arrêter là pour ce soir. Voilà. Ouais, ça fera que 2h40 que j'aurai streamé. Oh, c'est pas beaucoup, mais bon. Je vais pas aller au lit trop tard ce soir. Alors, merci à l'MMN, à Crucial et à Delta. Merci à vous trois d'être passés. Ça fait toujours plaisir. Et puis, alors, la suite. Même si on a fini l'histoire principale, il reste encore des missions à faire pour Metro. Donc, mardi prochain, on continue. Et demain, on continue les settlers sur PC.
moi. En tout cas, je vous fais des bisous. Et puis, à la prochaine. Allez, ciao, ciao.